Les aventuriers passent enfin à l'offensive. Après avoir découvert que le codex avait été déplacé sur une île et s'être infiltré dans la demeure des intendants, ils découvrent que la demeure est encerclée par les gardes, alors que les alliés, tels que le chef de l'église du sang, commencent à organiser une diversion. Messieurs, vous entendez quelque part siffler à l'extérieur de la maison. Certains d'entre vous qui peuvent tendre l'oreille après avoir reçu cet avertissement comme quoi la garde était dans le périmètre peuvent entendre un brouhaha. En effet, quelque chose s'organise à l'extérieur. Faites-moi s'il vous plaît, tous, chacun votre tour, un test d'observation. Grunlek. C'est parti. 56. Ça doit passer si c'est mental. Physique. Ça passe. S'il te plaît, Théo. Allez, parti. Ça passe, pour une fois. Bien. Bob. C'est physique. Absolument. Hein? Non, parce qu'avec 30 en physique, j'entends rien. 48, dommage. Ah, c'était tellement loin. Chine. Je balance et je me balance. Ça passe, 43. 43. Donc, il y a Bob qui est, lui, omnubilé par les effets cristallins qui sont sur les murs et qui probablement bloquent sa psyché. Pendant ce temps-là, vous trois autres, vous entendez en effet qu'il y a une résonance à l'extérieur. Il y a de la garde qui s'organise, il y a des effets, des entrechocs de métal, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Quoi ? Vous ne savez pas exactement quoi, mais Bob avait suggéré d'organiser une forme de diversion. Bob ? Je me souviens plus, je continue de dire que c'était l'idée de Grunlek. Je sais me plus pourquoi. Je me souviens plus non plus, donc. Mais on je s'en sais plus pourquoi, mais l'idée dans... on perd non, voilà. C'est pas ça, c'est juste dans mon esprit, c'est adamant inscrit de pas voler l'idée à Grunlek parce que c'était c'est son Aldo, idée. C'est Aldo qui me l'a soufflé, donc, c'est Aldo qui te l'a soufflé, voilà. Est-ce qu'on peut pas repasser par là où il y avait le monstre? C'est une idée. C'est pas un peu longué. C'est une mauvaise idée, plus exactement. C'est une bonne idée, mais c'est une mauvaise idée dans le sens où, primo, on n'a pas de point de sortie qui nous amènerait directement au port et on doit prendre un bateau et quitter la ville le plus vite possible. Secondo, il faudrait peut-être qu'on se tape le monstre et on n'a jamais su quelles étaient ses réelles capacités. On va tomber sur le cadavre du serviteur aussi. Éventuellement, on prend les trois vivants qui sont là, on les balance au monstre, comme ça ils se font bouffer. Pendant qu'ils se font bouffer, on passe. Mais on n'a pas besoin, on peut les tuer nous-mêmes. Ah non. Pendant que vous êtes en train de discuter, Chine, toi qui es à l'arrière, tu remarques qu'il y a de ce côté, dans des la pommes. Salle principale, il y a le garde qui est en train, enfin le garde, le colosse, qui est en train de discuter, en train de faire des messes basses avec la messagère. Il s'était pas barré, lui ? Ah non, pas du tout. Il était resté ici, en mode statu quo, et ils sont en train de discuter. Au moment où tu te retournes, Chine, c'est limite si les deux se retournent dos à dos. Est-ce que éventuellement je peux aller près de la porte et juste entre-ouvrir pour regarder ici? J'hésite à invoquer ici pour aller voir. Juste un œil. Espionner les deux. Il y a trois véhicules de CRS avec des trouves qui tournent. Et au moment où t'entr'ouvres la porte, t'as trois carreaux d'arbalète qui se mettent. Parce que ouais, j'entrouve la porte juste pour mettre un œil et tu mets l'extrait du Seigneur Zano qui. N'oubliez pas qu'on a toujours la possibilité d'envoyer ici en écho. Ouais, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut identifier la source du bruit? C'est plutôt ambiant. En fait, c'est l'escalier, ça. Ça vient de l'escalier. Je vais éventuellement répondre à Grunlek parce que de ton côté, Théo, tu es en train d'essayer de prendre les devants pour essayer de voir ce qu'il y a plus loin dans le couloir. De ton côté, Chine, tu as un regard qui est posé sur les deux qui semblent conspirer derrière. On n'a pas le temps, on se casse. Et il y a que Grunlek qui est proche éventuellement des parois et des fenêtres. Donc ce qu'il y a, c'est que tu entends Grunlek de ton côté qu'il y a en effet des entrechocs de métaux et puis ça se calme lentement. Et ceux d'entre vous qui sont militarisés et qui ont un enseignement militaire peuvent se dire que généralement ce n'est pas de bon augure. Des formations de siège ou quoi? Ils sont peut-être mis en place, ils sont peut-être beaucoup à nous attendre à l'extérieur. Il faut absolument tortue. Qu'on trouve une fenêtre ou quelque chose qu'on puisse voir. Tout à fait. L'idée que Grunlek avait soumise. L'idée que Grunlek avait soumise, c'était de créer une explosion, je crois que j'avais dit ça, mais je sais plus. Mais dans tous les cas, mettre une explosion à une fenêtre, histoire que les mecs qui soient devant, hop, c'était détourner l'attention. Là quoi où il y a en soi, c'était voilà, exactement.
Ne serait-ce que pour affaiblir la garde ou le siège qui est mis à la porte principale à laquelle ils s'attendent que l'on sorte, puisqu'on est au premier étage. Pour s'enfuir, ouais, c'est ça. Voilà, on est au premier étage de je ne sais où, donc du coup, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on vienne par la fenêtre. Des intendants. Objectif, le port, c'est oui, rejoindre un bateau, un navire pour aller accéder à l'île. Le truc, c'est qu'ils savent. Ils savent qu'on est une équipe, pas de magiciens, mais de mecs bizarres qui ont déjà fait des choses absolument exceptionnelles. Donc je pense qu'honnêtement, si jamais il y a un capitaine de la garde qui est pas trop con, s'il y a une explosion sur le côté, il va se dire « Oh putain, ils ont trouvé une astuce et ils sont en train de sortir sur le côté, ils sont en train de nous baiser. » S'il est plus intelligent que ça, ils vont se dire « Il est en train d'essayer de nous baiser et de faire une diversion. » Mais j'espère que c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'on doit assumer notre réputation de groupe d'aventuriers complètement con, dont on doit foncer dans le tas et sortir exactement à l'endroit où ils nous attendent. Non, parce que là, tu penses au niveau 3, et s'il y a un capitaine... S'il y a un capitaine de la garde qui pense au niveau 3 lui aussi, dans ce cas-là, j'appelle au MJ Bias. Là, c'est craqué, là. Je ne ferai sûrement pas ça. Voilà, c'est Papa Bandit qui est revenu dans la saison 3. Qu'est-ce là, qu'il y a dans les là. Escaliers. Du coup, Théo, il s'est barré où, là, parce qu'il va... Dans les escaliers. Il va tuer quelqu'un. Oui. L'explorateur. Vraisemblablement, Théo, il n'y a rien dans cette partie des escaliers. Ça descend, ça tourne sur un angle dont tu n'as pas la, sur laquelle tu n'as pas la visibilité. De votre côté, alors il y a Bob qui va à droite, c'est pardon, bien ça. Je suis juste parti un peu dans le couloir parce que lui il a eu le temps de faire tout ce trajet, j'ai peut-être eu le temps de faire 2-3 mètres. Pendant que vous préparez des plans, moi je suis déjà dehors, les mecs. Non, c'est juste. J'ai trouvé un bateau. C'est vraiment juste pour jeter un coup d'œil rapide, mais genre rapide, hein, dans la salle, en faisant attention bien sûr au bord, parce que ça fait 2 fois dans cette aventure qu'on se fait attaquer en passant un bord de mur d'un mec qui nous attend au coin du mur. J'ai pas besoin de voir toute la salle. Trop tard, j'ai mis révélé toute la zone. Attends, bah, une seconde. 63. Donc, bon, si c'est mental, ça passe. Si c'est physique. C'est physique à 30, mec. C'est mental, vu que tu viens et que tu te concentres en focus pour essayer de voir ce qu'il y a dans les alentours. Et tu remarques que c'est une sorte de débarras. Il y a du matériel ici à foison. Il y a de la nourriture. Il y a probablement des équipements secondaires, type cordage, peut-être même des armes. Mais tu es le seul ici, tu es le seul à avoir remarqué cela. Donc, si tu veux éventuellement prendre le temps de fouiller ici, il va falloir que tu fasses un test. Et ce temps-là que tu vas le prendre sur la progression de tes camarades. Je vais me retourner d'abord dans le couloir et hurler « Grunek, il faut que tu viennes !» Non mais même, je m'en fous, je vais hurler quand même. « Grunek, il faut que tu viennes voir ça, Grun !» Et puis je vais chercher les choses dans cette pile de merdier. Ce que je cherche précisément, Maillard, je le précise parce que je vais pas retourner chaque râtelier ou quoi que ce soit, je cherche de l'huile, du liquide inflammable ou... Des gemmes. Similaires. Éventuellement. Non, des gemmes. Tu cherches pas des gemmes dans un démarrage. Non, c'est juste vous. C'est... Le gars il fouille dans sa pile de chaussettes ça. Oh putain. Un lingot un d'or. Un ballon dirigeable. J'ai trouvé le codex. Des phalanges. Mec, c'est pas un jeu Bethesda. C'est pas un jeu Bethesda. Tu trouveras pas des trucs qui n'ont rien à faire à un endroit où ça n'a rien à faire. D'ailleurs, une montgolfière c'est pour être classe. Voilà. Je te demande s'il te plaît Bob un test de recherche cette fois-ci. Alors, pour transcrire ce test, tu vas me faire, s'il te plaît, un test tout simplement de mental pur avec un malus de 20% pour trouver exactement ce que tu cherches. Si tu fais un échec, je vais te donner quand même le succès, mais ça va être une version alternative de l'objectif que tu te vises. Ce qui nous amène à 55 et je viens de rouler 33. Donc tout va bien. Parfait, tu trouves du inflammable. Excellent. Tu trouves une lanterne, une lampe à huile. Ah non, moi c'est le liquide, la lampe à huile, je m'en fous. Tu peux l'acheter, ça peut prendre feu ou tu peux. J'ai pas besoin de briquet pour. Enfin. Alors, oui, donc très bien, tu l'as en ta possession, Bob. C'est un peu non, mais overkill. Par exemple, si en bas on voit de la paille ou je sais pas quoi, tu peux lancer la lampe à huile plutôt que de toi faire une boule de feu. Mais. Oui, mais moi, c'est le liquide qui m'intéresse. Alors, messieurs. Oui. Écoute, dans ce cas, je vais lui passer la lampe à l'huile et prendre le liquide. Tiens, si tu la veux, ta lampe à l'huile de merde, prends ta lampe. Frotte-la, tiens, on verra s'il y a un génie qui sort et il se barre avec les bidons, comme ça. Très bien, tu as cela en ta possession. Excellent. Qu'est-ce que vous faites, Théo, toi, tu descends les escaliers? Ouais, doucement, ouais. D'accord. Tu entends des murmures en bas. Des murmures. Non. Ouais. Tu progresses, tu descends au rez-de-chaussée? J'avance doucement, évidemment, je vais pas... Tu sais, on n'est pas dans un jeu vidéo, je suis obligé d'aller jusqu'au bout de la porte, en bas de l'escalier, avant de réaliser ce que je fais, si je vois qu'il y a des hommes armés, enfin... Tu sais, tu rentres dans le garde, comme ça, tu le pousses, t'sais, tu le fais clipper contre le mur, il est bugué, il commence à... Tu entends des voix
inquiète, Théo. Tu entends des voix qui s'élèvent et qui discutent entre elles et qui disent des choses suivantes. La garde est présente, vous croyez qu'ils vont nous confondre? Vous croyez qu'ils vont nous abattre si on se retrouve dans une mêlée? S'il vous plaît, j'espère qu'ils vont pas attaquer. On a reçu l'ordre de rester ici tant qu'il le faudrait. Oui, mais quand même, je suis un peu inquiète. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis, Théo? Je pourrais agir de manière intelligente. Mais non. Ah, je vais remonter, allez. C'est vrai que je serais bien descendu pour en choper un et le ramener en bas, en haut, mais... À la solide Snake. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Très bien. Donc, de votre côté, Grand Lake, Bob, Shin, tu n'as pas agi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Eh ben, j'ai rejoint les autres et déjà je demande... Attrape! Il n'y aurait pas du matos un... là? Non mais, attrape! Puis je lui balance un tonneau pour en prendre un autre. du calme. Il n'y aurait pas moyen que je fasse un mélange? T'as dit qu'il y avait des armes, il y a peut-être... T'as un arc là ou pas? Ah non, tu pouvais pas générer de flèches. T'as peut-être des flèches. Si, il peut maintenant. On est en dehors des salles. Absolument. Ouais, mais avoir quelques flèches sur toi qui ne sont pas des flèches de glace, ça pourrait être intéressant et t'éviter de retomber dans cette situation. Effectivement. Il y en a dans le stock ici ou pas? Eh bien, je vais garder le succès de Bob, et en effet, tu en trouves. Yes. J'imagine que les flèches, tu les mets pas sous les vieux tonneaux pourris, elles sont sur le mur, il y a l'arc en... Oui, ils sont dans un râtelier. Ok. Par contre, les amis, il faudrait se dépêcher, parce qu'il y a des choses qui se discutent, il y a des messes basses dans la pièce d'à côté, donc il y a des décisions qui sont prises, donc il faut se dépêcher. Il faut qu'on rejoigne Théo. T'as une très bonne nuit, parce que moi, je les entends à peine de là où je suis, et t'es à trois couloirs de moi. Non, mais dans l'autre pièce, c'est la pièce dont on est sorti, en fait. D'accord. Non, il avait dit qu'il y avait du cordage aussi, je vais prendre un petit peu de cordage. On avait déjà vos équipements, ce n'est pas moi qui vais vous le rappeler. Est-ce qu'il y aurait des chiffons, des tissus, des machins pour entourer, faire une espèce de pointe? Ce que je vais faire, c'est si j'ai une idée, je vais descendre, mais juste pour voir ce qui se passe sans forcément me faire voir. D'accord. Alors, je vais regarder les autres. De toute façon, j'attendais à ce qu'on trouve une fenêtre ici. Il y en a pas, donc c'est un cul-de-sac. Il faut qu'on se manie et rejoindre Théo. Bouge. Théo. Oui. En bas des escaliers, tu débouches sur un couloir, et c'est de là dont viennent les voix qui résonnent dans le couloir. Tu vois au bout. Ça tourne à droite. Il y a quelqu'un là ou pas ? Les voix ne sont pas loin. Comment ? Il y a quelqu'un là où je ping ? Pas du tout. Pas du tout ? Bon, ben, dans ce cas-là, je vais attendre que les autres arrivent ici, alors. D'accord, très bien. Je vais te donner un bonus de 10% sur la préparation d'une prochaine strat, étant donné que tu quadrilles le terrain et que tu avances en sentinelle, ok ? D'accord, ok. Messieurs, Théo est arrivé au rez-de-chaussée. Et vous, que faites-vous avec votre nouvel équipement ? Comment progressez-vous ? Oui, on va le rejoindre. On fait une petite pause. Le laisser tout seul, c'est jamais une bonne idée. À la drôle de dame, comme ça, tout. Je suis en train de partir. Bob, quand tu passes ici, tu vois à travers donc, le rideau, tu vois qu'il y a la femme ainsi que le colosse qui se regardent et qui acquiescent, et le colosse qui te regarde avec un sourire mauvais. Il échafaude un plan, tu sais pas trop quoi, il croise les bras. Il a l'air d'être satisfait d'une chose qui est probablement mise en place par leurs soins. Tu analyses cela comme quelque chose de mauvais, un sourire mauvais et satisfait à la Évidemment. Fois. Évidemment, ils ont prévu une contre-attaque ou quelque chose, mais quoi qu'il advienne, leur seule issue de sortie, c'est par une créature dans les égouts qui les exécuterait sans commune mesure, parce qu'ils n'ont absolument pas les systèmes de sécurité, vu que c'est pas des intendants, c'est juste des grouillots. Ou alors ils peuvent nous prendre en tenaille. Et sinon, ils peuvent nous prendre en tenaille dans le couloir. Cependant, c'est pour ça que j'allais le dire, si vous voulez bien, Grunlake et Shin, avancer jusqu'au niveau de la fontaine, hop, 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 dans le déplacement. Après, la trappe où il y avait les chiens, on ne sait pas vers où elle mène. C'est vrai, non, mais il y avait des chiens, tu vas pas mettre des... Il y avait des chiens, c'est un cul-de-sac. Ou alors tu m'expliques que le chenil, c'est un passage secret of Doom et que c'est là qu'on trouve le trône de Baal. Faut pas ça peut être un chenil avec une grille fermée dont ils ont la clé. Un chenil magique. Ouais, mais à ce moment-là, on finit par tout supposer. Ces mecs sont invincibles, faut pas déconner. Non, ce que je voulais dire, c'est que je fais en sorte de courir, mais un peu moins vite que les autres, et je vais m'arrêter au niveau du tapis. D'accord. Au niveau du tapis, je vais faire... Oh. Ça, je vais faire un petit peu, tu vois, sur le sol, là. Juste une petite giclette, tu vois, bien, histoire d'imbiber le tapis. Tu vas pas nous enfumer avec des fumées toxiques. Non, mais non, parce que nous, on descend. La fumée, ça monte. Mmh. Voilà, c'est pour ça, donc, un petit coup comme ça sur le tapis, histoire de faire en sorte que, voilà, s'ils sont pas capables de faire des enjambées, alors des enjambées, mon grand, de plus de 2 mètres, hein, avec un virage au bout, hein, donc tu m'expliques comment ils font. Ils nous rejoindront pas de sitôt. Voilà, pendant que les autres reviennent, c'est tu fais quoi? T'inquiète, j'arrive, babette.
problème. Je voulais vaporiser la fontaine, mais c'est vrai que oui, avoir un rideau de flammes, ça peut être encore plus efficace. Ah bah, pour le coup, c'est un tapis de flammes. En fait, ce que je craignais le plus, ce que je craignais le plus, c'est le gros barbare et ses chiens. Mais là, les chiens, ils oseront pas passer parce qu'un chien qui passe à travers des flammes, à part un entraînement de malade, ça peut être terrorisé par. Et le géant, il pourrait sauter les flammes s'il prend de l'élan. Mais s'il saute en prenant de l'élan, il se bouffe le mur, ce con. Il peut faire autre chose s'il y a rien d'inflammable, parce que je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. Il prend le bout de sa hache et il bouge le tapis sur le côté. Avec ses grands pieds, il écrase le truc. Ça leur prendra du temps, c'est chiant, c'est risqué, enfin voilà. Dans tous les cas, tu mets le feu au sol grâce au liquide inflammable. Très bien. Il en reste, on est d'accord que j'ai mis 2-3 giclées, le tonneau n'est pas vide. Il n'y a pas de problème. Il te reste éventuellement une dose de liquide inflammable. Pas de quoi provoquer un incendie, mais en tout cas de quoi produire un début de flamme. Donc, Grand Lake, tu ouvres la marche. Au pire, je peux bluffer avec. Je peux bluffer. Tu ouvres la marche. Vous approchez pas, ça va exploser, il n'y a plus rien dedans. Et Shin, tu le suis de très très près. Je suis Grand Lake, moi. Je regarde Passepartout vite fait, il nous montre le nombre de clés, ding, et on va dans les escaliers. C'est une vieille référence, écoute, tout le monde a vu Formule. Allez. Moi je vais avoir la chanson de Passepartout dans la tête. Et quand on arrive en bas, on voit Théo en train de se battre contre un vrai tigre et lui briser la nuque. Contre Felindra. Donne-moi une boîte de jeu. Pendant ce temps-là, mon cher Théo, tu vois survenir un garde qui va tourner dans ton couloir. Qu'est-ce que tu fais? 5, 4, 3... Je recule, je mets des escaliers, quoi. Fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. Mets-toi à genoux, dans Skyrim, ça marche. Fais une roulade. 58. 58 sur... Sur ça passe. Sur ça passe. Ça passe sur... 58 sur 65, c'est limite. Je vais faire un test passe. Quand même pour voir s'il te remarque. En dessous de combien? Voilà, tu réussis tes tests, mais ça passe pas quand même. Oui. Moi, je sais pas, parce qu'il a réussi son test, donc à la rigueur, est-ce qu'il remarque qu'il y a quelque chose de suspect? Pas forcément qu'il le voit. Le bruit, le son, ouais. Ouais, voilà, il se dirige vers la source. Pas forcément le bruit, mais tu vois une ombre qui se déplace, tu sais, c'est le tchac. C'est surtout le bruit de l'armure contre la paroi, en fait. Ouais, c'est plus un son, ouais. Oh, mais il a réussi sa discrétion. Il a réussi sa discrétion, mais il a réussi mieux. Ça, son observation. Ah, c'est dégueulasse, mais d'accord. Ben oui, mais je suis pas là pour vous rendre la vie facile, les amis. Donc, du coup, il se tourne. Qui va là? Je dis rien. C'est toi, Bjorn? Oui. C'est le chat. C'est le chat. Il le dit rien, il le dit rien. Je suis le chat en armure. Il avance. Il avance, tes amis ne sont pas encore là parce que tu es seul en bas. Ouais, mais dès qu'il passe à côté de moi, j'essaye de sortir l'épée et de l'embrocher d'un coup d'épée dans le visage, en fait. Très bien. Sauf que là, normalement, il a l'angle de vue à partir de là, hein, donc faut... Oui. Il a, t'as un bonus de 10% et il est en mode défensif parce qu'il y va vraiment prudemment. Donc fais-moi ton test, s'il te plaît. Alors, est-ce que, dans ce cas-là, je vais y aller moins en offensif. Parfait. Faire ça. Est-ce que donc le mec il s'approche et là t'as un mec en blanc, blond, jaune, or, doré qui sort en mode c'est un peu ça. C'est limite j'y vais et je m'arrête pas, c'est le but, c'est que même si je le rate je lui tombe dessus, en fait c'est le but. Très bien, vas-y, allez, c'est parti. Alors, mais tu évidemment me fais un test. Non, évidemment que ça passe jamais quand il faut jamais. 65 en physique plus... ça passe peut-être. T'as 10% de ouais, 75 plus, plus 65 plus 5 plus 10. Ouais. Ça fait 80. T'as 25 ça fait 80. Plus 65, t'as 90. Non, ça passe. D'accord. Bon, ben 90, ça. Ben ça c'est parce que tu t'es préparé au tour précédent et que tu as tendu une embuscade. C'est pour ça, c'est parce que je me suis préparé. Bon, je pense honnêtement en fait que plus que parce qu'il s'est préparé, mais aussi parce qu'ils font tous les deux à eux deux l'épaisseur du couloir, c'est-à-dire ils peuvent pas se croiser sans se toucher, et que si t'avais raté une charge dans un couloir où littéralement il n'y a pas la place pour se dépasser l'un l'autre, je sais pas. Oui, je sais pas. Se prendre les pieds dans... Fais-moi s'il te plaît. Dans le carrelage, oui, t'as raison. Non, tu fais combien de dégâts? Tu fais combien de dégâts max? C'est un des 10. Je crois. Oui, un des 10. Très bien. Hop, je vais faire un test. Si je fais en dessous de 20, il réussit in extremis à opposer résistance.
D'accord. Mais il se prend quand même. Il était en défensif. Si, il est en défensif. Ouais. Mais 20. Mais t'as réussi quand même ton embuscade. D'accord. Alors. 12. Eh ben. 12. Alors par contre, bon, il va opposer résistance. Il va pas se prendre de coups d'épée, mais est-ce qu'il se prend la charge quand même? Parce qu'on oui, est un homme ça, de 180. Moi, je chargé aussi. Oui. C'est ce qui se produit, c'est-à-dire que Théo, tu lui fonces dessus, il émet un cri et il dévie au dernier moment avec la garde de sa lame qu'il n'a pas réussi à sortir tout à fait, et il dévie ton attaque qui va se planter contre le mur et tu es sur lui en fait, et il produit un cri légèrement étouffé. À ce moment-là, les fait, trois autres arrivent. Je suis une ragdoll qui charge en fait. Ça, c'est de l'infiltration, ça va être bien discret. Ouais. Les trois autres arrivent et vous voyez. Putain, mais c'est de nous que tu parles, je croyais que tu parlais de renfort, mais tout va bien non, en fait. Non, peur. Et on se bourre et on trébuche comme ça. Non, vous arrivez, messieurs, au moment où vous voyez Théo qui est torse contre torse avec le garde. Ah bah qu'est-ce ça va, si vous on vous dérange, je me dis seul, oh, vous... je dis rien et je remonte en arrière. Tu nous présentes pas ton ami. je suis comme ça, t'es la main à côté de lui, comme ça, t'es sur le mur en train de me plaquer. Non, mais moi dans ce cas-là, je vais les regarder, puis je vais enlever ma roche, il reste une place. Alors, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes en statu quo, c'est-à-dire que tu es au corps à corps contre lui, il a pas tout à fait sorti son arme, il a dévié ton attaque au dernier moment, tu es en mode offensif, il sent ton haleine remplie de haine sur son visage. Je le mords. Embrasse-le. Je le mords dans la nuque. C'est un truc cruel. T'es en mode mords-lui le nez, tu lui arraches ou l'oreille. Attends, objection. Mordre le nez ou l'oreille, c'est pas un comportement de paladin, ça. Ah bah non. Non, je suis pas paladin, je suis inquisiteur. Ah, donc ça passe. Attends, non, t'es inquisiteur quand ça t'arrange. T'es paladin quand ça t'arrange, t'es inquisiteur quand ça... Tu peux pas être et policier et gendarme. Non, mais inquisiteur, ça arrache pas le nez avec les dents non plus. Je suis biclassé, écoute. Mais tu es biclassé. Surtout un bigorneau, ouais, voilà ce côté. Du coup, tu peux éventuellement tenter de le dissuader, ou alors tu veux vraiment l'embrocher et engager le combat. Je veux lui mettre un coup de tête, c'est possible? Oui, c'est possible. Il est en défensif, tu restes en offensif. Utilise ta tête. Voilà, là ça paraît légitime. Voilà, j'utilise ma tête. Théo, utilise ta tête. Oui, c'est ça la solution. Bah oh. Merci, c'est Victor. Con. Non, c'est... Merci Victor, pourquoi tu crois que je suis chauve, gamin? Je fais manger, c'est ça? Absolument. Allez, vas-y, fais-moi une réussite pour une fois, ça passe. 39, je fais un test pareil. Coup de tête, alors, ça fait combien de dégâts? T'es en offensif, si tu lui donnes un coup de tête dans son nez, là, pareil, par contre, si je fais 40 ou moins, il réussit à se départir, vu que c'est un garde, hein, c'est pas un inquisiteur, ouais. C'est pas quelqu'un qui a ton gabarit, du coup, il va plus essayer de se tirer d'affaire, et il te bouscule, il essaye de se glisser tel une anguille, et moins de 40... Oh là là! Oh, deux! On se garde! Mais... se garde! Alors, il esquive d'un mouvement de la nuque, il esquive ton coup de boule comme ça, puis il clash l'oreille. Oh, il fait wow! Et puis après, il part, il se relève, il fait un. Fais-lui faire un sopério. La Dragon Ball, il fait un petit sopério, il atterrit au milieu du couloir. Il pose son index sur tes lèvres. Putain, mais c'est Papa Bandit, je le savais. Non, vous avez dit qu'il y avait Papa Bandit en bas du... Il fait un petit saut périlleux, là, évidemment. Non, aussi, non, il te repousse, et il manque, en fait, de te faire une clé de bras, et il te jette contre la paroi, et il recule en sortant son arme. Mais vous n'êtes pas Bjorn! Non, ce qu'il dit, c'est après un petit mouvement, ce qu'il dit normalement, c'est d'habitude. On m'invite à dîner d'abord. Donc, il t'a repoussé en glissant telle une anguille. Il t'a maîtrisé et il recule avec son arme et regarde dans son dos. Qui êtes-vous? T'as pris mon accent du coup. Moi, un jet de. J'ai trébuché, puis je suis tombé sur vous, et en fait, ma tête a hoché comme ça de rire. Puis avant de demander, c'est bien à la garde! C'est ça, je voulais dire bonjour! Il hurle à la garde. Et merde. Et il recule. En braquant son épée. Est-ce que vous voulez un point strat? Non, on va dire qu'est-ce qui vient. Nous, ça fait un moment, quand j'ai l'impression qu'on est là, on n'a pas du tout pu agir. Bah, on est consterné alors. Non, surtout que plus que dans l'action ou quoi que ce soit, quoi que tu aies voulu faire ou que tu eusses voulu faire, tu aurais été bloqué par l'angle de vue par Théo. Même en faisant un pas de côté, ça aurait été tendax, tu aurais pas eu accès à tout le couloir. Enfin,
Et regarde-nous, Shin et... Ah ouais, non, on voit que dalle, hein. On voit que dalle. Alors, il est mort. Vous n'avez pas le temps de discuter, messieurs. Il y a Grunlek, t'es en tête avec Théo. Je recule et je me retourne vers les autres et je dis, j'ai fait ma partie, c'est à vous maintenant. Bah, je tente de le... Ah, j'ai plus de psy. Je peux même pas aller le choper. Tu peux le charger. Il n'y a plus l'influence des murs diamantés. Oui, non, mais j'ai plus de psy, donc je vais... Arrête de le reculer, comme ça, ou... Hein, ça se passe dans il est dans le brouillard de hier. Et voilà. Non mais voilà. Non mais reviens. Et... Attends. Et il a le droit de se déplacer quand on a tous fini nos tours là. Qu'est-ce que c'est cette action là, non, mais... Ah oui, c'est critique. Alors bah, je vais le charger. Je le charge. Vas-y, charge Grunlek. Je suis le token. Et je me jette sur lui le point en avant. Alors physique 60 plus pugila 20. Vas-y. C'est attends, parti. T'as le temps de parcourir toute cette distance en un tour? Ah, c'est chaud. Bon, lui, il a pu faire toute cette distance en un tour. Donc. Il était dans au critique, milieu là, par du contre, couloir. Je suis obligé de lui dire. Alors, vas-y. C'est parti. 10, ça passe. 10, c'est très bien. Il est en mode défensif. Tu l'attaques. Toi aussi, tu es en mode défensif. C'est bien ça. Hop. Il peut encore faire une parade? Comment? Il peut encore faire une parade? Il vient d'en faire une contre Théo. C'est un nouveau tour. C'est un nouveau tour. Donc, tu le charges. Il a 40 ou moins, comme tout à l'heure. Ok. 10. T'as bien raté un moment. Non, mais faut rater, monsieur. Monsieur, il faut rater les jets. Mais papa, ça suffit. Bandit non, ça mais suffit. C'est son cousin. Hein, c'est... Il vient nous regarder. Il a fait, tu as tué mon frère dans la saison 1. Tu vas mourir. Tu arrives avec ton poing en avant, ton poing métallique. Il le dévie pareil avec ta lame, avec sa lame. Il le dévie, donc d'accord. Ton poing passe sur le côté. Et du coup, il continue de reculer vers le couloir en criant à la garde. Vous autres, qu'est-ce que vous faites? On est tous en train de le frapper, il part tous nos trucs en mode vieux de Vaudao, à la garde! Avec un bras comme ça. Ils sont trop forts! Tout en mettant tous au tapis, à la garde! J'ai besoin d'aide! J'ai besoin d'aide! Ils ont besoin d'aide! Ils nous frappent au sol, on est en sang, on est en train de mourir. Non, pitié, arrêtez! Oui, la garde, s'il vous plaît! Ah putain. Du coup, j'avais pas prévu de lui donner un prénom à ce PNJ. Et vu comment il survit, il va falloir que je lui donne papa une vie de famille. Attends, après Papa Bandit, je propose Papa Garde. Très bien. Papa Garde, quoi, parce que. Alors, par contre, je vais jouer mon tour juste avant Shin, si possible. Et je vais le regarder, je vais lui prendre le tonneau des mains et je vais faire. Et vas-y. C'est tout. Je lui prends le tonneau d'île des mains et je lui fais vas-y. Et je lâche mon tour parce que de toute façon, c'est tout ce que je peux faire. Shin. Je descends les escaliers au ralenti. Ah bah attention, la libération arrive. Je vais me tirer dans le pied, ça va être trop cool. Donc là, oui. Tu sais, le mec il arrive comme un elfe trop stylé et tout. Cette flamme pour le. Il se tire dessus, il va attraper ta flèche. L'ultime flèche. Ça, avec les dents. Il n'y a pas la flèche. Il n'y avait pas la vidéo internet comme ça. I just fucking shot myself. Tu me fais s'il te plaît, Shin. Un test, vu qu'il y a Grunlek qui est dans le couloir. Alors, bon, je t'aurais mis un malus de 30, mais c'est quand même un nain. Du coup, il monopolise pas trop l'espace. Ouais. Ah bah, malus de 20 malus, il est diminué de moitié. Malus, si je vise c'est la tête, mathématique. En fait, si non, c'est tête. Mathématique. C'est mathématique. C'est un nain, c'est divisé de moitié, c'est tout. C'est un malus de 20 pour essayer de le toucher, le garde. Il est en mode défensif. Vas-y, Shin, s'il te plaît, fais-nous rêver. 20, d'accord. Donc ça fait 70. J'ai peur 70, c'est parti. Allez. On se prend, toi. 7. Ah, ouais, c'est dommage, t'es pas en. Ouais, dommage. Absolument. Là, je vais faire un test de défensif et à 20 au moins. Donc je divise par 2, vu qu'il est depuis tout à l'heure, il est comme ça, il non, te voit au milieu du couloir. Attends. C'est le même tour, là, il a déjà fait son truc de défensif. Il a fait son truc défensif et il a eu un succès critique. Donc qu'il en ait un second, ça non, me paraît pas. C'est le premier défensif de Goul. C'était le tour d'avant le succès critique. C'était le 2 contre Théo. Là, il a fait 10 contre moi. D'accord, dans ce cas-là, il a déjà claqué sa défense. Et s'il avait fait un succès critique contre toi, ça aurait été que logique qu'il en ait une deuxième jet de défense. Parce que voilà. Mais là, pour le coup, ça me paraît assez unfair, effectivement, qu'il ait un deuxième jet de défense. Il est dans un couloir. Vous êtes aligné comme ça. Oui, il se fait tirer dessus avec une flèche dans un couloir. Tu m'expliques, elle est où la défense? Laisse-le, mais je suis sûr qu'il va réussir. Moi, je veux le voir. Bon. La situation écoute. Moi, je dis 20. Allez, vas-y. Après tout, c'est légit. Allez, 20 au moins. Try us.
Trius Fagot. Non. Voilà, je l'ai joué. Bon. La justice divine a parlé. C'est bon. J'ai joué faire. Nous la flèche vient se planter sur son épaule. Lance-moi tes dégâts, s'il te plaît, Shin. Il a une armure de... Il a une armure de 3. 5, ça va. C'est bien. Shin, tu fais 5 points de dégâts. La flèche vient se planter dans son épaule. Il revit une scène mythique du Seigneur des Anneaux. Et là... Oh, mon Dieu. Il appelle toute la... Il arrache la flèche, il souffle dedans, tu sais. En déclenchant toutes les alarmes possibles. Il appelle la garde de plus belle. Il y a en effet... autour. Sur le portable, t'es la police, à la garde. Il y a en effet tout autour de la maison le brouhaha qui commence à se multiplier en intensité. De votre côté, alors que vous étiez décidé à sortir de cet endroit en faisant diversion, la diversion, elle n'est pas vraiment assurée vu que le bruit vient directement de vous et plus qu'il n'en faut. Le garde devant vous n'est pas mis au sol. Au contraire, il va probablement retourner la situation le connaissant.